something else on. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que te cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Macarena, voici tout l'argent pour les frais de scolarité. Pardonne-moi s'il te plaît, je n'aurais pas dû prendre quoi que ce soit de cette façon. Effectivement. Ce que Javier et toi avaient fait m'a fait beaucoup de peine. Tu ne peux pas être aussi sans gêne dans la vie, Bocadillo. Je sais, tu as raison. On a agi de la manière la plus ignoble qui soit. Nous n'avons aucune excuse. Mais tu vois, je suis venu en personne te présenter des excuses et te rendre l'argent que tu as donné de bonne foi à Javier, mais dont moi j'en ai un peu abusé. D'accord, merci d'être venu et merci de m'avoir rendu mon argent. Écoute, si ça peut servir à quelque chose, voici toutes mes notes. Même si je n'en donne pas souvent l'impression, je suis un bon élève, regarde. Lis. Et donc ? Très bien, très bien. C'est génial, je te félicite. Merci. Mais ça ne change rien à ce que tu as fait, Bocadillo. Parce que si tu avais été honnête avec moi dès le départ, alors je te l'aurais prêté cet argent, si tu avais pris la peine de me demander. Ah, Macarena, je me sens vraiment mal. C'est bien, ça te servirait. Ça veut dire que tu ne veux pas me pardonner ? Non. Mais pourquoi ? Parce que non. Pourquoi ? Écoute, attendons pour voir. S'il n'y avait pas eu toute cette histoire avec le président, et si le docteur Sandra n'avait pas menti pour Javier qui était malade, est-ce que tu serais venu me voir pour tout avouer ? Oui. Non, n'est-ce pas ? Non. Donc tu le fais simplement parce que tu n'as plus le choix. Tu sais que c'est vrai, et non pas parce qu'aujourd'hui tu t'es réveillé ce matin et tu t'es dit « Oui, nous devrions dire la vérité à Macarena ». Non. Non, du coup, tes soi-disant excuses ne sont valables qu'à moitié. Alors c'est pour ça que je te pardonne qu'à moitié. Mais pourquoi, Macarena ? Parce que oui. Quand je me suis réveillée ce matin, je me suis dit « Macarena est une super amie ». Macarena me pardonnera sans doute que nous avons tous le droit de faire ça des erreurs. Ça ne sert vraiment à rien de mentir. Je ne serai pas te mentir. Non, dis-moi la vérité. Parce que tu viens à peine de me dire le contraire. Je te jure. Si, si, si. De quoi parle-t-il ? Si. Je crois désolée, que je Macarena. Ah non. Non, non. Vraiment. Écoute, Macarena, je ne vais pas faire de mal. Docteur Pedrito. Tu en es sûr ? Parce que je t'avoue que moi, je n'en suis pas si sûr. Mais oui, c'est ça, bien sûr. D'accord, très bien. Et Macarena, je veux me faire pardonner, sérieusement. D'accord. Dis-moi comment je peux rectifier le tir. Comment ? Eh bien, il faut que tu sois une meilleure personne à partir de maintenant. Par contre, comment si tu veux regagner ma confiance et que je te pardonne, à mon avis, ça sera bien difficile. Est-ce que ce sont les résultats des derniers tests ? Oui, c'est cela, docteur. Mais ce sont d'excellentes nouvelles. Si nous appliquons le même procédé au cerveau humain, on ne tardera pas à trouver le marqueur biologique requis. Merci, Hernan. Je vous en prie, docteur. Plus tard, je passerai au laboratoire pour parler à l'équipe. Tu as sûrement entendu dire que cette recherche sera transférée au labo de Houston. Ne fais pas cette tête, mec. Vous allez tous garder votre travail. Nous continuerons à travailler ensemble. Oh, désolé, vous cherchez quelqu'un, Luisa ? Oui, docteur. Je cherche Macarena. C'est concernant des documents pour votre voyage. Bien. On se verra plus tard. Allez-y, entrez. Excusez-moi, docteur. On se voit plus tard. Oui, docteur. Voici tous vos papiers, mais celui-ci, je le garde. Excusez-moi. Merci. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un devis que Macarena a demandé. Un devis pour quoi ? Oui, elle a demandé un devis pour un lit d'hôpital, en fait. Docteur, je crois que Macarena pense déjà à sa maladie, tout ce qui va avec, et elle aimerait dormir dans un lit comme celui-ci. Elle voudrait en avoir un chez elle, mais bon, enfin... Vous permettez ? Oui. Bien sûr, docteur. Merci. Ah, mais c'est pour un lit simple. Oui, docteur, pourquoi ? Non, pour rien. Rendez-moi un service, Luisa. Et il faudra bien m'écouter. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce que c'est ? Un lit, voyons. C'est un petit cadeau que le docteur Alejandro a offert à Macarena. Attendez, lui a offert un lit simple en cadeau ? Mais pour quelle raison est-ce qu'il envoie un lit simple en cadeau ? Je vais vraiment le tuer. Je vais le tuer. Non. Je vais vraiment non, le tuer, Tati. Ah, calme-toi. Attends, où vas-tu ? Alors, frérot, comme ça, tu as offert un lit d'hôpital simple à Macarena.
Oui, pourquoi? Où est le problème? Non, il n'y en a aucun, je suis juste curieux. Dis-moi et pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'elle en voulait un, je ne sais pas, parce qu'elle est malade et pour la chouchouter, pour qu'elle puisse se sentir bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais dis-moi la vérité. J'aime savoir qu'elle dort seule. Non, frangin, ce n'est pas possible. Quoi? Comment ça quoi? Écoute, tout ça va très mal se terminer pour que tu saches. J'ai entendu ta secrétaire dire à quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui, que quand tu perds la confiance de quelqu'un, qu'il est difficile de la regagner. Ah oui? Oui, oui. Et tu sais que ça ne peut que s'empirer. Frangin, cette femme ne pourra jamais te pardonner, il faut que tu te fasses à cette idée. Tu as raison, c'est vrai. Et heureusement que tu t'en vas, car le mieux c'est de t'éloigner d'elle, parce qu'une fois que cette femme se décidera à te faire payer, il te sera impossible de te défendre contre elle, crois-moi. Alors sors-la de ta tête, tu dois l'oublier. Calme-toi. Je ne vais pas me calmer, Rosora, cette fois-ci il est allé trop loin. D'une, pourquoi est-ce que ce docteur envoie des cadeaux à ma femme? Et de deux, pourquoi un simple lit? Comment ça se fait qu'il sait que nous dormions dans des lits séparés, hein? Non, 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 Poney ne... Ah! Eh bien, dis donc, des lits séparés. Et pourquoi? C'est un peu bizarre, non? Non, 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 c'est vrai. Non, 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 je ne comprends pas. Salut. Salut, bonsoir. Comme tu es jolie aujourd'hui. Merci. J'ai commandé une bouteille de vin blanc, j'espère que tu vas aimer. Alejandro Pulido va se saouler un jour de semaine, non? Eh bien, mais c'est une soirée qu'il faut fêter, n'est-ce pas? Ay, Bocadillo, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Mais ce n'était pas vraiment nécessaire que tu viennes jusqu'ici, je t'assure. Écoute, je n'allais pas te laisser rentrer seule à cette heure-ci. Écoute, je ne veux pas paraître désagréable, hein? Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Rien de ce que tu comptes faire aujourd'hui ou demain matin ne servira à regagner ma confiance. Je sais, Macarena, et ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Je sais que je mérite d'être puni, je mérite le pire châtiment. Je mérite que tu me traînes par terre et que tu me craches au visage et que je me fasse mordre et qu'on m'arrache les yeux. Je sais, mais justement, pour être honnête, je ne suis pas seulement venu t'accompagner, mais je suis aussi venu apporter ça à Luz Elvira. À Luz Elvira? Oui. Tu sais, comme elle a tant de bébés, eh bien, elle a des envies. Et tout ça m'a ému, donc je lui ai apporté ceci. Deux? Oui, des jumeaux. Tu le savais pas? Macarena, tu es enfin rentrée. J'ai besoin de te parler. C'est la pagaille en haut. Viens par là, excuse-moi. Quelle pagaille? Des jumeaux? Des jumeaux? Oui. Des jumeaux? Tu parleras de ça plus tard. Je sais que... Des jumeaux. En fait, la patiente est venue aux urgences parce qu'elle avait un problème rénal. Et quand le docteur Pena a vu les résultats de ses tests, il s'est rendu compte tout de suite qu'elle avait un problème cardiaque. Mais quel âge a ce patient? 22 ans. Tu te rends compte, à cet âge, souffrir d'arythmie et de tachycardie? Parce qu'elle a une prolongation d'intervalle QT? Non, si jeune avec le syndrome QT long. Tu te rends compte? Je t'en prie, c'est fou, cette femme peut mourir d'une crise cardiaque en entendant l'alarme de son réveil. Non, le bruit de l'alarme, c'est la moindre des choses. Tu réalises qu'annoncer à une si jeune femme que le fait de tomber amoureuse pourrait lui être fatal? De toute façon, tomber amoureux est toujours fatal. Non, pas toujours. Quoique oui, un chagrin d'amour peut facilement te tuer. Camilla, je ne veux pas te faire souffrir. Tu ne le mérites pas. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est vrai? Je t'en prie, comment peux-tu en douter? Si ce n'était pas pour ton amour et ta patience, je n'en serais pas là. J'admire à la fois la femme et la professionnelle que tu es. Tu crois vraiment que je peux m'asseoir et discuter comme ça avec une autre personne? Mais tu sais que je ferais n'importe quoi pour toi. Parce que je t'aime. Ah, le docteur m'a fait envoyer un lit d'hôpital. Et dis-moi, pourquoi tu fais cette tête, Macarena? Tu recommences? Non, non, non. C'est que, en fait, tu sais, je trouve que le docteur est vraiment très gentil d'avoir fait un si beau bien geste. Sûr. Un lit d'hôpital pour moi. Oui, pour toi. Ah non. Macarena, petit poney est furieux. Je pense que c'est pour une bonne raison. C'est gênant, c'est étrange. Ah. En plus, c'est un lit simple. Et? Très bien. Mais c'est quoi le problème? D'ailleurs, bientôt, je vais en avoir besoin, non? Tu oublies qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je sais, tu as tout à fait raison, mais tu peux comprendre que pour lui, c'est un affront de la part du docteur. D'ailleurs, si tu avais vu le regard de Luz Elvira quand elle a appris que vous ne dormiez plus ensemble... Luz Elvira est au courant? Oui, c'est vrai que vous ne dormez pas dans le même lit. Aïe. Attends, dis-moi. Comment se fait-il que des jeunes mariés dorment dans des lits séparés? Je ne comprends pas, vous n'étiez pas en lune de miel? Pourquoi vous avez... Il y a de tout, Luz Elvira. Il y a de tout dans un couple et tu le sais mieux que moi parce que tu as été mariée toi aussi. Oh, mais alors je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'elle dit tout le temps qu'elle est amoureuse de toi? Hein?
parce que nous sommes amoureux. Je commence à penser que malgré tout, ce lit, c'est une bonne chose. Écoute, petit poney, vraiment au point où nous en sommes, ta relation avec elle, je m'en fiche carrément, tu vois? Tout comme ce que tu fais ou tu ne fais pas d'ailleurs. En fait, tout ce que je te dis, c'est que je suis fatiguée. Fatiguée, mon mignon, parce que j'ai besoin d'un homme à mes côtés. Tu sais que je ne peux rien faire pour l'instant, Loselvira, je te l'ai déjà dit. Je ne peux rien faire pour toi. Ah non? Comment ça non? C'est ce qu'on verra, mon mignon. On verra bien. Tu viendras me chercher. Tu viendras me chercher. Dans moins de 8 jours, je te dis. Dans moins de 8 jours. Camilla. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus continuer avant d'avoir déterminé où va vraiment notre relation. Mais je n'ai rien à éclaircir. Je t'ai déjà dit que oui, je veux être avec toi. Oui, je sais, mais je... Toi quoi? Tu as encore des doutes? Après m'avoir dit à quel point je suis une femme merveilleuse, à quel point tu m'aimes et combien je t'ai soutenue, tu as encore et toujours des doutes, Alejandro. S'il te plaît, ne le prends pas comme ça. Alors comment est-ce que je dois le prendre? Franchement, je ne comprends pas. Ça fait tellement d'années que nous sommes ensemble. Nous avons une relation que beaucoup de gens envient. Je ne sais pas, tu es encore à réfléchir à je ne sais quoi. Il s'est passé quelque chose. Non, quelqu'un rien, t'a fait changer rien. D'avis? Non, rien, personne n'a rien fait. Alors quoi? Ce n'est rien, c'est que tout simplement, bientôt je devrais me rendre à l'étranger. Mais je peux partir avec toi si tu veux. Alors ça y est, tu fais encore cette tête. Tu sais quoi, changeons de sujet, s'il te plaît. Car ton attitude démontre clairement que tu ne crois pas du tout en notre avenir ensemble. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait venir, pourquoi tu m'as invité à manger. C'était quoi cette fameuse proposition? Eh bien, cette fameuse proposition a à voir avec le travail. Maintenant que je dois partir, je te propose le poste de directeur de la clinique. Écoute-moi, Rosora, t'as entendu ce que je viens de te dire? Voilà, les choses entre nous vont très très mal. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Rends-le-moi. Ah mais allez, arrête, vas-y, moi aussi j'en veux. comme je te le disais, c'est quand tu veux, et si ça te dit, je peux t'accompagner pour acheter des vêtements pour le travail. D'accord, cousin? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Cousine, et merci de bien vouloir me donner un coup de main. Tu sais ce que c'est? Ma reine, pardon, je présume que tu sais déjà qu'il y a un cadeau qui t'attend dans la chambre, n'est-ce pas? Non, et tu sais quoi, mon poney? Je ne peux pas accepter ce cadeau. Ah non? Non, parce que tu sais quoi, ça me semble très inapproprié, très très arrogant de la part du docteur Alejandro, non? Et le seul remède dont j'ai besoin, c'est de t'avoir à mes côtés et que tu me prennes dans tes bras toute la nuit, que tu me serres fort. C'est ça dont j'ai besoin. Bien sûr. Bien sûr que c'est nécessaire. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de donner et de recevoir, non? Qu'est-ce que t'en dis? Oh, mon poney. Oui. Oh oui. N'est-ce pas? Oui. Écoute, je ne sais pas quoi te dire honnêtement. Je ne pensais pas que c'était ce genre de proposition que tu allais me faire. Mais qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, je ne sais pas. À ce que je sache, ce poste a toujours été occupé par un membre de ta famille. Je sais, Camilla, mais mon frère n'est pas intéressé, mon père ne peut pas. Tumako, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Sincèrement, je ne vois personne de mieux placé que toi pour assumer cette position, Camilla. Non, écoute, je te remercie pour ta confiance, mais je te demanderai de me donner quelques jours pour y réfléchir, car vraiment, je ne sais pas. Oui, bien sûr, tu peux prendre tout ton temps. Tout va bien? Quelque chose ne va pas? Il faut que j'aille aux toilettes, je reviens. Salut, maman. Oh, ma chérie, c'est bon de t'entendre. Mais pour tout te dire, je n'ai pas pu fermer l'œil. Au fait, dis-moi, comment ça s'est passé avec Alejandro? Vous avez pu faire la paix ou quoi? Non, même pas. Alejandro est un idiot. Tu te rends compte que sa fameuse proposition, c'était pour me demander d'être la directrice de la clinique? Hé, Bocadillo, comment ça se fait que tu sois toujours dans les parages? Oui, je suis venue t'apporter ce que je t'ai promis. Quoi? Ton ceviche. Merci. Avec beaucoup d'affection. Moi non plus. Oh, mais c'est vraiment triste. La pauvre, elle est seule à tout gérer. C'est pour ça que je voulais qu'elle retrouve le père de ses bébés, mais elle a refusé d'engager le détective que je lui avais recommandé. Pardon, mais quel détective? Le même qui enquête sur le vol de l'argent. L'argent? Mon argent. L'argent de l'assurance qui m'a été volée, tu t'en souviens plus? Franchement, tu croyais quoi? Que j'allais rester là comme si de rien n'était? Non, je veux absolument retrouver les coupables et les mettre directement en prison. C'est trop gentil. Merci, tu n'as pas idée à quel point tu as satisfait mes envies. Tu m'as apaisée. Tu es trop gentil. Avec merci, Bocadillito.
Ah, es-tu vraiment gentil, tu sais? Écoute, rien, et si tu as besoin de quelque chose, quelqu'un pour t'accompagner ou un truc du genre, je t'accompagnerai peu importe l'endroit. T'es sérieux? Oui, madame. Oh! Pardon, Bocadillo Frangin, mais elle n'a besoin de personne pour l'accompagner car elle a déjà quelqu'un qui la soutient et qui l'aide. Mais ma reine, je suis son cousin, ma reine, donc tu vois, je la considère comme ma sœur. Non, je ne pense pas. Je ne crois pas, non. Non, je crois surtout qu'elle est très seule et qu'elle a besoin d'un ami. Quelqu'un pour lui apporter ces bonnes choses qu'elle a envie de manger et quand elle le veut en plus, hein? N'est-ce pas, Luz Elvira? Oui, comme tu le dis si bien, ma Carinita, ça m'arrive de me sentir très seule parfois. Si? Oui, c'est la vérité. Ah, c'est une bonne chose que tu aies Bocadillo pour te donner un coup de main quand tu en as vraiment besoin. Tu trouves pas? Alors, dans ce cas, je peux t'appeler? Bien sûr que oui. Évidemment que oui. Luz Elvira, ça te ferait plaisir, je pense. Je pense que oui, non? Oui, je serais ravie que tu m'appelles. Alors, je t'appellerai. Oui? Bien sûr que oui. D'accord, quand est-ce que tu vas m'appeler? Je t'appellerai. Plus tard. Oh non. Merci, ma reine, merci. Aïe, l'amour. Allez, Randro, merci. Merci pourquoi? Tu n'as pas besoin de me remercier. Bien sûr que oui. Je sais ce que la clinique représente pour ta famille et pour toi. Et le fait que tu penses que je suis la personne idéale pour la diriger et protéger tes intérêts, eh bien, ça me touche beaucoup. Ah, mais je ne sais pas. Avec tout ce qui se passe en l'état actuel des choses, bien, j'aurais besoin d'un peu de temps pour mieux réfléchir. Bien sûr, je comprends. Pensez-y, mais j'aimerais vraiment que ce soit toi, Camilla. Il faudrait voir ce qui est le mieux pour tout le monde, non? Allô? Oui? Ah non. D'accord, écoutez. Calmez-vous, j'arrive tout de suite. D'accord, merci. Qu'est-ce qui se passe? Karen, la patiente dont je t'ai parlé. Un membre de la famille est allé la voir et apparemment sa visite a provoqué une rechute. Allons-y, je t'emmène à la clinique. Non, ne t'en fais pas, ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que si. Macarena, tu veux dire que tu as l'intention d'organiser un rendez-vous à l'aveugle entre Luz Elvira et Bocadillo? Aveugle n'est pas le terme exact, parce qu'en fait, ils se connaissent déjà, non? De plus, on pourrait faire une sortie à quatre. Je ne crois pas. Mais bien sûr que oui, Poney, tu sais, ça se voit des kilomètres qu'entre eux, il y a des étincelles, il y a une alchimie. Non, écoute, non, je ne trouve pas ça correct, car Luz Elvira est enceinte, et ce n'est pas vraiment le bon moment pour tomber amoureuse. D'accord, qu'est-ce que tu veux alors? Tu veux quoi, qu'elle reste célibataire? Non, mais avec sa situation actuelle, je pense que c'est pas une bonne idée qu'elle a cherché l'âme sœur. Voilà, c'est précisément ce que je disais. Tu ne crois pas que ce serait l'occasion rêvée pour ta cousine de trouver un père et un mari? Excuse-moi. Hein? Est-ce que tu crois que trouver un père pour des jumeaux, c'est facile? C'est comme aller acheter des chaussures? Tu sais quoi, non. Vraiment, je trouve ça très égoïste de ta part. T'es très injuste envers elle, Poney. Tu réagis comme si c'était toi le petit ami de Luz Elvira. Non, je dis seulement que je ne sais pas si Bocadillo est la personne qu'il faut parce qu'il t'a tout de même menti. Il t'a aussi trahi ta confiance. Oui, mais Luz Elvira n'est pas non plus une petite sainte. Non. T'imagines un peu. Elle m'a dit qu'elle avait déjà tout calculé, qu'elle s'est arrangée pour tomber enceinte. Tu parles d'une innocente. Non, mais franchement. Tu en es sûre? Je suis sérieuse. Oui. Oui. Alors peut-être qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que... Donc tu penses que... Que je ne sais pas pourquoi tu fais ce lit alors que tu n'en veux pas, hein? Parce que je vais le ramener demain, mais ce soir je vais dormir ici. Pour voir si ça peut soulager la petite douleur que j'ai dans le dos. Passe-moi la couverture, s'il te plaît. Allez, Randro, tu n'étais pas obligé de m'accompagner. Ce n'est pas un problème. J'aimerais voir ce patient. C'est un cas intéressant, Camilla. D'accord. Allons-y. Écoutez, on se calme. Taisez-vous. Mais surtout, vous allez me rendre ce service. Coopérez alors. Pas de violence, ne nous faites pas mal. Nous vous donnerons ce que vous voulez. On va commencer par ton portefeuille. Allez, vite. Te dit, allez, plus vite, mec. Allez. Ah, tiens. Mais où est-ce qu'on va? Regarde, c'est le docteur. Il faut qu'on y aille maintenant. Comment ça, où est-ce qu'on va? Si, je suis médecin. Oui, le médecin. Regarde, c'est écrit ici, tu vois. Bien sûr qu'il est médecin. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-le tranquille, ça ne va pas. Non, arrêtez, ne le touchez pas. Toi, ça t'apprendra là. C'est ce qu'il me faut. Tu vas me rendre au service et tu vas faire ce que je te dis. Nous avons une urgence. Il y a quelqu'un qui est blessé. Monsieur, il n'est pas vraiment chirurgien. C'est moi qui suis chirurgien. Vous pouvez vérifier dans mon portefeuille. Il ne fait même pas d'injection. Il ne sait même pas opérer, croyez-moi. C'est bon, Camilla, ça suffit. Tais-toi. Taisez-vous tous les deux. J'ai besoin de lui et vous descendez. Non, vous ne me serez d'aucune utilité. Oui. Sors de là, Camilla. Non, allez, Randro. Alors, dans ce cas, ce que nous allons faire, nous allons tous y aller et toi, tu conduis. Où est-ce que vous nous emmenez? Écoute, tu vas faire absolument tout ce que je te dis. Allez, faut qu'on aille voir le patron, voilà. D'accord, c'est bon. Allons-y. Allons voir votre patron, on y va. Conduire? Ah, bien fait.
Il est 7h du matin. Hein? Oh mon Dieu, Poney, pourquoi tu ne m'as pas réveillée? Tu sais très bien que je dois me lever à 4h30 pour ne pas être en retard. Ah non, j'ai vu que tu étais bien paisiblement endormie sur ce lit, donc je n'ai pas voulu te déranger. Ah non, le docteur va me tuer, petit Poney. Il va me tuer parce que je suis très en retard. Ha! Qu'il ose te dire quelque chose, il verra. Et je sais de quoi. Je parle. Maman ne pense même pas appeler Ravière pour savoir comment il va et ce qu'il fait, non. Et s'il lui était arrivé quelque comme chose. Comme quoi, maman, ce n'est qu'un paresseux. Écoute, je ne sais pas. Et s'il avait faim? Et s'il était déprimé? Hein? Tati, ne vous inquiétez pas, je l'ai vu hier. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il a dit? Non, mais il est passé à la banque et m'a demandé de l'aider à trouver un boulot. Tu vois, il va bien. Par pitié, petit poney, aide-le, d'accord? En ce moment, c'est impossible, mais dès qu'il y aura quelque chose, je l'appellerai et je lui dirai immédiatement. Quoi de neuf? Vous faites quoi? Ma tante, un instant s'il vous plaît, je reviens tout de suite. Et toi, je dois te parler une minute. Oui, que nous à propos deux. De quoi? Viens par là. Aïe! Arrête, arrête, lâche-moi, tu vas froisser mes vêtements, bon sang. Alors comme ça, tout ça c'était un piège? Qu'est-ce que tu racontes? Macarena m'a tout raconté. Tu lui as dit que tu avais piégé le père et que tu avais tendu un morceau de gruyère à la souris. Que tout ça était bel et bien planifié. Que ce n'était pas par accident, loin de là. Aïe, oui. Maintenant tais-toi, c'est quoi le problème? En fait, il fallait que j'invente quelque chose. Une excuse afin qu'elle abandonne l'idée d'engager un détective privé pour savoir qui est le père des jumeaux. Je ne crois pas en Molle ou Zelvira. Tu t'es fichu de moi. Tout ça n'était qu'un fichu piège. Ah, tu es bête ou quoi? De toute façon, si c'était le cas, alors, en quoi ça changerait quelque chose? Quoi? Comment quoi? Comment ça si ça changerait? Coucou, quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, mon amour, bonjour. Regarde, j'ai préparé un bon petit café pour ton frère et toi, mais je ne sais pas s'il dort toujours. Non, il ne dort pas. Il se réveille toujours à l'aube. Il doit sûrement déjà être à la clinique ou Dieu ne sait où. Tu veux autre chose? Non. Je peux te faire de délicieuses tartines grillées avec un peu de beurre. Non, merci. Oui? Il se trouve que ce matin, j'ai un rendez-vous très important parce que j'ai une réunion avec la thérapeute de mon père. Il est malade? Non, non, oui. Du moins, c'est une longue histoire. Il est en thérapie pour essayer de surmonter une dépendance. Ah! Oh oui, mon amour, moi aussi je voulais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Hier, j'étais avec ta fille, je l'ai accompagnée pour acheter un maillot de bain. Ah, t'es trop gentille, trop gentille. Je suis content que tu t'entendes bien avec mes filles. Je t'aime pour ça. Moi salut, aussi je t'aime. Tard. Non, attends, je t'ai préparé un thermos avec du café pour que tu l'emportes. Vraiment? Oui. Tu ressembles à ton frère et tout. Merci. Ah putain. Donne-en à ton oui, frère, je lui donnerai, oui, j'en donnerai à tout à ta le secrétaire. Monde. D'accord. Salut. Au revoir, mon amour. À plus tard. Merci. Ah? Ah? Non. 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 Tu sais que non, petit poney. Non. En fait, Macarinita, nous discutions justement de mon accouchement qui approche à grands pas. Oui, moi j'aimerais bien que mon accouchement se passe sous l'eau, tu vois, car les bébés ressentiront une énergie merveilleuse, voire même magique. Et donc voilà, je demandais à petit poney ce qu'il en pensait et il m'a dit que ça pouvait être risqué pour les bébés. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, pourquoi tu te soucies de mon opinion? Tout ce qui compte, c'est ce que toi tu veux, Louz Elvira. Et non pas ce que je veux ou ce que Poney veut non plus, parce que... Attends, ce n'est pas comme si Poney était le père de ses enfants, non? Maman! Oui, c'est n'importe quoi. Tu ne devais pas déjà être au travail? Aïe! Oh oui, c'est vrai, il est très tard, je dois y aller. Tu ne devais pas prendre le petit déjeuner? Non, 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 je ne peux pas. Au revoir. Attends, ma reine, je vais venir avec toi. Aïe, non, qu'est-ce que tu veux? Que je te dépose à la banque? Non, non, je veux passer la clinique. Je dois mettre quelque chose au clair avec le docteur Poulidou. Oh, oui. Je veux dire discuter avec le docteur Poulidou, excusez-moi. Bien sûr. Oh non, Poney. Aïe! Tchut. Tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.